ça marche vachement bien. Ça fait vraiment une contradiction dans la musique. Ils s'expriment. Peut-être parce que c'est un mot. Oui, un mot. Je sais pas. C'est un système. Moi, j'aime bien aussi. Je suis très content de faire cette performance ici à 7, une ville formidable. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire ce soir. J'ai quand même un trajet déjà prévu. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être je vais sentir si vous dans le micro. Peut-être j'accélère la prochaine idée. Mais je suis artiste plasticien et musicien-compositeur. Et depuis plusieurs années, j'ai essayé de vraiment réunir les deux disciplines ensemble. Parce que mes compositions, ça reste toujours les compositions. Mon art plastique, c'est toujours l'art plastique. Et j'ai essayé vraiment de trouver la pierre clé qui peut tenir cette arche. Et ce soir, je vais essayer d'amener une composition qui est très conceptuelle vers quelque chose qui est plus accessible avec des mots, avec des chants, avec du rythme et tout ça. Alors, on verra ce que ça donne. Parce que c'est tout récent ce travail. J'ai commencé la semaine dernière, tout ensemble. Je vais brièvement parler de le disque que je tourne ici, parce que je pense que c'est intéressant pour vous à comprendre ce que je fais. Je travaille que sur le dernier sillon, qui est si long, qui tourne en boucle. Alors normalement, ça reste si long. Sauf que moi, je fais des traits avec un cutter. Des traits qui sont très précises, très précisément placés. Par exemple, si j'ai un disque avec deux traits à 0 degré et 180 degrés, ça va faire cac, 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 cac. Un peu comme un métronome, quelque chose. Mais si je monte jusqu'à, par exemple, 36, ça veut dire que tous les 10 degrés, j'ai un autre trait, ça va être... Et si je monte jusqu'à 720, ça va être comme une musique. Alors, on va... Il y a un moment vers 40 et 80 où on commence à peine à rentrer dans la tonalité. Et c'est cette partie qui est très intéressante, je trouve. Si vous avez des questions après, je suis à votre disposition.